coucou tout le monde. Normalement, je vais faire une vidéo avec Raphaël. Je vous avais demandé de nous poser des questions pour faire une FAQ sur notre couple. Mais on va pas le faire maintenant. Je sais pas quand on va le faire parce que là, il est fatigué. En attendant, je vais faire autre chose. Donc, je vais faire un quiz de culture générale. Comme ça, vous allez voir à quel point je suis intelligente. Ou pas. Non, d'abord, je vais vous laisser avec mon introduction. C'est parti. Vous voyez bien que je suis pas chez moi. Je suis chez mes beaux-parents. Il fait noir. J'ai galéré déjà pour positionner mon téléphone parce que j'ai oublié mon trépied chez moi. Et en plus, j'ai pas d'éclairage. Donc là, je me suis éclairée avec une lampe de poche. Regardez, je vous mens pas. Avec ça. On fait avec les moyens du bord. Mais je pense que mon prochain achat, ce sera une ring light parce que là. Enfin bref. Donc désolée si vous me voyez pas très bien d'abord. Je suis sur un site qui s'appelle laculturegénérale.com. Donc je vais voir, on va voir, j'ai jamais fait ça. 60 quiz de culture générale, nanana. Quiz débutant, quiz intermédiaire, quiz expert, quiz au hasard ou quiz sur l'histoire. Bah évidemment, comme je suis conne, je vais prendre quiz débutant. Votre score apparaîtra une fois que vous aurez terminé le test. N'hésitez pas à partager votre score avec nous ou on s'en fout. Ah ok, en fait c'est une question et genre il y a plusieurs réponses, plusieurs possibilités de réponses. Donc c'est parti. Je me suis cassé deux ongles. Première question. Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS au milieu des années 1920 et 1953? Soit Trotsky, Lénine, Staline ou Molotov? Mais au hasard, Staline. Comment on fait? Ah, ça change tout seul. Okay. Oh, on me voit un peu quand même. Je fais la thèse de culture générale. Thèse de culture générale. Ouais. Putain, 2 sur 10. Non, j'avais même pas vu. Non, je suis occupée. Je vais couper ce montage. Non, j'ai trouvé ça dans ma chaîne YouTube. J'ai répondu déjà à une question. J'avais juste. Tu veux lire la question à ma place? Non. Ok, ok, merci. Alors, dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalouse et la Castille? Soit en Espagne, en Italie, au Portugal ou en France? Moi, je disais. Mais tu n'as pas la réponse à ma place. Ok, je t'écoute. Ah, bah, c'était même pas ça! Putain, tu me fais perdre. Bah, c'est... De toute façon, c'est pas moi, c'est pas moi qui a dit. C'est en Catalogne, je parlais. Non, mais non. C'était en Espagne alors. C'était en Espagne. Bah ouais, bah, c'est ce que j'avais dit. Chiant. Qui a dit le sort est jeté? La sorcière est bien aimée. Hitler, soit Napoléon, soit Jules César, soit Staline. Moi, je dis que c'est Jules César. Oh. Donald Trump. C'était Jules César. Merde. Quel cinéma a réalisé Parle avec elle et Voix V? Pablo Trapero. Soit Pedro Almodovar, ou soit Woody Allen, ou soit Guillermo del Toro. Moi je dis c'est Woody Guillermo Allen. Guillermo del Toro. Ah merde. C'était Pedro, je sais pas quoi. À qui doit-on la chanson I Shoot the Sheriff? Bob Marley, c'est Eric Clapton, UB40 ou Jim Morrison? Moi je dis Jim Morrison, ouais. Non. Ah non. Mais non. C'était Bob Marley. C'est Bob Marley. Ça, ah je suis vraiment... nulle. Tu savais même pas, je parie. Je savais bien que c'était Bob Marley. Je sais quand même bien, c'est qui moi, un gars de shérif. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? L'Algérie, l'Italie, le Brésil ou l'Allemagne? Brésil. Brésil. Ah non, l'Allemagne. L'Allemagne. Ah, connais-con. Dans quelle ville italienne se situe l'action de la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette? Milan, Vérone, Rome ou Venise? Venise. Non, à Rome. Ah oh, putain, c'était Vérone. Ça veut dire. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? Anne-Marie. C'est sa mère. Une jokerise, une chenapan, une godiche, une marâtre. Une godiche, ça je suis sûr. Marâtre, une godiche. Moi, ok, je t'écoute. Ah bah c'était pas ça. J'avais raison. Une marâtre. Ah, je t'avais dit marâtre. Tu casses les couilles, tu me dis les mauvaises réponses. Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Apollon, Arès, Hermès ou Hadès? Moi si je dis c'est Apollon. Ah non, c'était Arès. Putain, je suis trop nulle. Parmi les animaux suivants, lequel peut se déplacer plus rapidement? Le chevreuil, le guépard, le springbok ou le léopard? Le guépard. Yes, c'était ça. Ah, il n'y a plus de questions. Ok, ils m'ont cassé. Ils m'ont dit des révisions s'imposent. 3 sur 10. 3 sur 10. Ok, ça veut dire que je suis con. On va faire un deuxième juste pour le fun. Quel est l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel? Bébé, il dit n'importe quoi. Allez. Je, tu, il, nous. C'est nous. Nous. Feignons. Je vais mettre ça.
Yes. Bingo. Quel roi de France proclame l'édit de Nantes? Moi, je dis c'est Louis Vuitton. Henri IV. Oh, c'était ça en plus. À quel écrivain attribue-t-on la rédaction de l'Iliade et l'Odyssée? Je sais pas, les roches. Moi, je dis c'est Homère. Oh, yes! Qui s'est déclaré premier flic de France? Je dis Charles de Gaulle. Non, c'était Georges Clemenceau. Ou... pas qui c'est. Quel acteur américain incarne le héros du film de Christophe Nolan en 2014? Interstellar. Moi, je dis c'était Brad Pitt. Ah non, c'était Matthew, je sais pas quoi. Toi, tu dis n'importe quoi, wesh. Quel est le plus long fleuve en France? C'est la Seine. Ah non, c'est la Loire. Le drapeau russe est blanc, bleu et... attends, la Suisse. La Russie. La Russie? C'est blanc, bleu, blanc, bleu, vert. Ah non, c'était rouge. Quel journal a été attaqué par terroristes islamistes en janvier 2015? Ah, je sais! Ah non, il est pas dedans. Ah si! Ça, c'est Charlie Hebdo. Je me rappelle comme si c'était hier. Quel animal andin de la famille des camélidés Le cochon. est élevé pour sa laine? Moi, je dis c'est le yak. Ah non, Le c'était mammouth. le lama. À quel compositeur doit-on les bandes-sons des films comme Il était une fois en Amérique, Pour une poignée de dollars ou Le clan des Siciliens? Je dis c'est Vladimir, ouais. Ah non, c'était Ennio. Je suis nulle! Ah, il n'y a plus de questions! J'ai eu 4 sur 10, il est marqué pas mauvais. Je me suis améliorée. Je refais un petit dernier pour la route. Quelle est la date de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale? Le 11 novembre 1918, le 11 novembre 1919, le 8 mai 1918 ou le 8 mai 1919? Déjà, c'est l'armistice, c'est le 11 novembre, je suis sûre et certaine. 1918, la fin de la guerre mondiale. Ah yes! 1-1. Je suis trop forte. Quel pays a décidé par référendum, de quitter l'Union européenne? L'Islande, la Suède, le Royaume-Uni ou la Pologne? Moi, je dis c'est le Royaume-Uni. Ah, oh, yes. Ouh, je suis trop forte, mamma mia. Dans quelle ville le Colisée se trouve-t-il? Barcelone, Venise, Barcelone et Rome. Déjà, ils ont mis deux fois Barcelone, ils se sont trompés. Tu sais, c'est où toi le Colisée, vu que t'es sicilien? Colisée, ouais, c'est ce qu'il y a les bouteilles. Pourquoi? Moi, je pense que c'est à Rome. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à Rome. Tu vois le bâtiment cassé, là. Quel célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine de... Attends, quoi? Dreyfus par J'accuse. Capitaine Haddock. Marcel Proust, Émile Zola, Victor Hugo ou Alphonse de Lamartine? Alphonse Brown. J'ai mis Alphonse. Putain, c'était Émile. Dans quel film Dark Vador déclare-t-il Luke... Oh, mais c'est trop facile. À Luke Skywalker, je suis ton père. Star Trek, 2001, l'Odyssée de l'espace, Soleil Vert ou Star Wars? C'est trop facile. Star Wars. Quel est l'album le plus vendu de l'histoire? C'est sûrement un truc de Michael Jackson, à Harry mon avis. Potter. Non, un album, pas un film. Tear Greatest Hit des Eagles. Black Eyed Peas. Ah non, Black Eyed Peas, qu'est-ce que je dis? Black in Black de AC/DC. Common Over de Shania Twain ou Thriller de Michael Jackson? Moi, je dis c'est Thriller. Non, c'était Thriller. À Bim! quel écrivain doit-on le personnage de Boule de Suif? Maupassant, Voltaire, Balzac ou Stendhal? Alors là, moi, je dis c'est Voltaire. Ah non, c'était Maupassant. Quel est l'accent du deuxième E sous le mot fenêtre? Oh. Sérieux là, c'est trop facile. Accent grave, accent aigu, accent circonflexe ou aucun accent. C'est un accent circonflexe. Combien de jours une année bissextile compte-t-elle? 366, 365, 364, 363. 363. C'était 366. Ah. Quel animal est pampant dans Bambi? Un chien, un cerf, un oiseau, un lapin. C'est un cerf. Ben non, c'est une biche. Ah non, c'est un lapin! Pampan, c'est le lapin. Non? Ah ouais. J'ai jamais regardé Bambi. Ah, c'est fini! J'ai 7 sur 10, ils m'ont dit joli. Bon, les gars, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et activer la cloche. Vous avez vu à quel point j'étais intelligente comme fille.
comme la couleur de mes cheveux le prédisent. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo de FAQ avec Raphaël, du coup, donc ce sera pour bientôt. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous aime très fort.